Ça va aller, Spatiate, le revoilà. Ça va aller, Kay. Coucou Angélique, Nelson, Mathieu, Julie, Eddie, Sébastien, Abdel, Sabine, Barça, Tchatchaf, Mita, alias Margaret, Christophe, Alex, Seb, oh là, c'est quoi ça? Moi je me méfie, l'autre jour je mets ma chaussure, je mets ma Converse, un matin il n'y avait pas un crapaud au fond de ma Converse. Mon gars, je t'ai fait un espèce de saut, je m'y attendais pas. Ce matin, low impact, ça veut dire ce que ça veut dire. Pas trop d'impact l'équipe, ok? Accessible aux jeunes pour la puissance spatiale. Beaucoup d'abdos en ce moment l'équipe, ok? Je suis toujours blessé, je me remets tout doucement, mais c'est pas encore ça l'équipe, ok? Alors je tiens à féliciter là, hier j'ai vu qu'il y en a pas mal d'entre vous là, compris le programme Jeune Plus la Piste, plan alimentaire, livre de recettes. J'ai envie de te dire bravo mec, bravo. Tu le sais même pas, mais là tu viens de changer ta vie. Si t'es sérieux, hein, tu viens de changer ta vie. Tu viens de changer ta vie. Et je le répète, là tu vas te dire, ouais, le coach il parle trop. Dans un an, même dans 6 mois, tous ceux qui ont pris le programme hier là, sendez-moi un message, faites une photo de vous aujourd'hui et après. Ok l'équipe? Et vous me ferez plein de bisous parce que je vais changer votre vie l'équipe. Ça qui est bon. On continue dans la même dynamique l'équipe. 2021, c'est pas 412 transformations. J'ai compté 412 transformations physiques en 9 mois. Plus tous ceux qui n'ont pas balancé parce qu'il y a des gens ils sont pudiques, tu penses bien. Cette année, je vais faire plus de 1000 transformations physiques. 2 fois plus. J'ai 3 mois en plus. Je suis parti sur une base de 9 mois. On a commencé en mars. Mais là, de janvier à janvier 2022, je veux 1000 transformations physiques. Donc sortez-vous vite les doigts du cul, mes spartiates, et balancez-moi vos transformations physiques avant et après. Ok, les champions? On continue le taf. Objectif 1000 transformations physiques. 412. Qui dit mieux l'équipe? 412 transformations physiques à mon compte. Champion en 9 mois. Aïe aïe aïe. Chose que j'aurais jamais pu faire sur du physique. Quand je faisais du coaching sur la plage avec un client, si j'arrivais à balancer 8-10 transformations dans l'année, c'était bien parce que je travaillais avec un petit nombre. Mais là, le truc, il devient international. Donc en fait, 400 transformations au final, c'est rien l'équipe. C'est énorme, mais c'est rien. Quand je te dis que je vais en faire 1000, j'en ferai 1000 mec. Crois-moi, je vais les avoir ces putains de 1000 transformations physiques. En tout cas, je vais tout faire pour. Big up, mes sportifs. Vous avez vu la dernière transformation de Aloy hier? Du sale. Mon gars, big up, parce que le mec, il a perdu 39 kilos. Tu te rends compte 40 kilos ce que ça fait? Si je m'enlève 40 kilos sur mon corps, je sais pas si tu réalises mon gars. Il me reste rien mec, la peau sur les os, man.
40 kilos, c'est énorme, big up mon frère. Parce que le gars, il avait un bidon, il voyait même pas son coco, man. Aujourd'hui, le mec, il est plat. Et là, quand je vais sortir mon programme abdo, il va se saigner la sangle abdominale. Alors, me lâche pas, champion, hein. Je te vois, je veux te voir avec mes, les abdos pour mon training camp, mec. Parce que toi, c'est du lourd. Putain, yes, I. C'est ça que je veux, des vaillants, mon gars. Des gars qui partent de rien, qui sortent les doigts du cul et qui me sortent un produit fini, beau, fort, fier, athlétique. Tout ça avec du plan de poulet, man, et de l'eau, et bien sûr du sel. Ok. Ce matin, comme j'ai dit, low impact, on est parti. Premier mouvement, spartiate. Mets ton masque, spartiate. Échauffement, tranquille, rien de compliqué. Donc c'est bon, en 2021, j'ai envie que vous compreniez une chose, l'équipe. Il n'y a pas de fatalité. Tous ceux qui me suivent aujourd'hui pourront avoir le physique de leur rêve. Je suis pas là pour vendre du rêve. Par contre, il y a deux choses que vous ne devrez pas négliger, l'équipe. Tu devras rester accroché à mes baloches 8 jours sur 7. Si t'en as la capacité, si t'en es pas capable, tant pis pour toi. Mais fais le maximum, le minimum de ton maximum, champion. Ça, c'est important. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas négliger, c'est l'alimentation, mec. Putain, j'en ai marre de me répéter, mais il y en a, ils n'ont pas compris. Ils pensent que le mec, il est carré 3 jours sur la bouffe, il va déconner 2 jours, il va avoir des résultats. Ça fonctionne pas comme ça. Pas quand t'as 20, 30 kilos à perdre, mec. Quand t'as 20, 30 kilos à perdre, tu dois être carré sur ta bouffe, mon gars. Quand t'as un physique comme moi, tu t'en bats les couilles, tu t'envoies du soda de temps en temps, même si je le fais pas, mais je pourrais. Regarde, je suis en train de te parler, j'ai déjà saigné 1h15 de footing avec Ninja, regarde-le, il est en train de crevirer le bordel. Regarde-le là, oh, réveille néné, c'est comme ça dans la vie, il faut aller le chercher, il faut être dans le dur mon gars. Quand t'es dans le dur tous les jours, ton corps il se forge à la dure. Si tu restes mou du cerveau à bouffer de la merde, tu seras un flan coco, c'est logique putain. Ah, y en a, ils ont du mal à comprendre ça, hein, mais putain. Transform your body, change your fucking lifestyle, you know. C'est parti, premier mouvement. Let's go. L'alimentation, putain. L'alimentation. The food. The food, pour ceux qui ne comprennent pas le français. The food. The fucking food. Pas junky food. Healthy food. On est parti. Mouvement technique, respiration. Premier mouvement, rien de compliqué, j'aime plus la piste. Alors, échauffement, debout, break the lead, départ, debout, tap tap, ça c'est cadeau, ça, on a tous le même mouvement. Par contre, souffle, serre, champion, parce que ça c'est du lourd. Si tu souffles pas, tu vas crever au bout de 2 secondes. Ok, j'aime plus la piste. Et je t'ai déjà dit, j'aime plus la piste. Si t'as pas le niveau, commence pas à faire le charlot en mettant ton masque, ok? Ça, c'est pour les mecs qui ont un minimum de cardio, minimum 4 poumons, ok champion? Donc si tu as 1,5 poumons, reste avec tes 1,5, essaye de développer 2, 2,5, 3, 4, et à ce moment-là, tu mettras ton masque pour atteindre 6 poumons, ok champion? Step by step, on est parti, here we go. Ok, ça c'est pas compliqué. Par contre, c'est cardio.
continue. Cette fois-ci, Spartiate, deux petits kicks vers l'arrière avant de sauter sur l'autre jambe à opposer, ce qui donne. 5, 6, 7, 8. Round 6. Pour les dernières. Mais il du rythme.
Ok, prochain mouvement. Impeccable pour chauffer, pas besoin de plus. Prochain mouvement, fente latérale, reviens en position de départ. Ça, c'est la version j'ai un peu la pisse. Là, on fait 4 séries du même côté, champion. Jeune spartiate, fente latérale, puis lève le genou. Bloque ta main au-dessus de la cuisse. Bloque tes mains, ok. Spartiate, plus. Viens taper vers le sol. Ok, ça, c'est cadeau. On est parti. Here we go. Ça va l'équipe. Allez, on est parti. Petite musique sympa pour se mettre dans le game, tranquillement. J'aime plus la piste. Ceci est une pub pour un outil de diagnostic automobile qui s'appelle OBD Click. Welcome to Tabata. Here we go with five. Let's go.
petit mouvement à la con là. Bon, un coup. Bon, on revient dans le fitness basique. Hein. En tout cas, la con. On s'adapte, on reprend. C'est 2021, on reprend les balles. Hein. Et toute l'année, on va monter en intensité, champion. Ah, donc, je ne plus la piste. Batteur de chiottes qui vient d'arriver sur ma terrasse. Esquive pas les premières séances du début de l'année, champion. On reprend les basiques. Bon, un coup pour la peine. Prochain mouvement. En garde, squat, descend, bien bas. Ça, c'est jeune, plus la piste. Squat basique. Jeune sport, certes. Squat avec blocage genou. Là, tu engages ton gras du bide, là, sur le côté. OK, oblique. Le gras disgracieux. Tu sais, le genre de truc quand tu mets un petit caleçon bien propre, là, qui tombe bien en mode beau gosse. T'as un vieux pli de graisse qui te cache l'élastique du caleçon. Ça, c'est échec, champion. OK, échec, mec. Donc, réveille-toi. C'est pour toi, ça. Donc, squat, blocage genou avec tac tac tac, mes couilles en ski. Spartiate, blocage genou. De l'autre, alors avec blocage genou, hein, ok. Squat, blocage genou. Tu enchaînes un jab, cross au milieu, ok. Un peu de shadow boxing, tranquille, rien de plus violent. Squat, blocage genou, jab, cross, protection, esquive côté, blocage. Ok, ça c'est cadeau, champion. Let's go, on est parti. Athletic boy, let's go, here we go. Première série, je ne peux pas rapper. Are you ready? John? Five, four, three, two, one, go! Come on,
Cuisse. Abdos. Bon, écoute. Next move. Assis sur fessier, plat du pied. Enlève tes chaussures, champion. Là, on va voir si t'es souple, gras du bide. Ok? Eh ouais, mec. Quand je te dis athlétique, c'est pas juste pousser de la force. Five, mouvement, four, technique, respiration. 2, 1. Ok, champion. Mets-toi pieds nus. Ok, main. On est parti. Next move. Souplesse. Quand je te dis l'alimentation, c'est important. Donc le mec qui voit pas son coco, tu peux juste regarder le mouvement. Essaye, champion, mais à mon avis, ça va être compliqué. Ok? Ah, je suis pas méchant dans mes propos, je suis juste réaliste, champion. Je suis pas là pour te mentir. Je sais que si t'es gras du bide, t'arriveras pas à faire ce mouvement, tout simplement. Et encore moins si t'es gras du bide et puis tu fais pas d'étirement. Désolé, champion, c'est comme ça. Quand je te dis, sors-toi les doigts du cul et bouffe pas de la merde, tu comprends pourquoi maintenant. Tout prend son sens. Bon, un coup pour la peine. Next move. Et ouais, toujours pareil, comprends qui peut. Prochain mouvement, du sale. Mouvement, ceci technique, est une pub pour un outil de diagnostic automobile. Non, je suis pas cru, Laura, je suis réaliste. Tu sais quoi? J'ai appris une chose à l'armée. Quand ceci tu caresses les gens dans le sens des poils automobile. Et tu le fais hypocrite, ça sert à rien. Parce que quand tu te retrouves avec ta bite et ton couteau face à la réalité, champion, tu te retrouves seul au monde. Donc non, je suis pas réaliste. Je suis pas méchant, cru, je suis juste réaliste. Ok? C'est comme ça. Comprends qui peut. C'est toujours pareil. Je suis pas là pour faire du social. Je suis là pour transformer des gens. J'ai fait plus de 412 transformations physiques. Tu crois quoi? C'est en caressant les gens dans le sens du poil? Non. Sans leur foutre un gros coup de pied au cul, qui se réveille, qui sortent les doigts du cul avant que ça cicatrise. Ça, c'est important, Laura. Tu devrais le comprendre, ça. Ok, Laura? Yes, aïe. Je sais que tu comprends ça. Bon, un coup, pour la peine. Réaliste, tout simplement. Terre à terre. Next move. Donc, je dis bien, gras du bide, regarde. Parce qu'à mon avis, tu n'arriveras pas. Tu vas t'étouffer avec ta graisse. C'est méchant, mais c'est la réalité. Donc, regarde le mouvement. Next move. Mais il n'y a pas de fatalité, gras du bide. Tu peux toujours te sortir les doigts du cul. Ok? Change ton alimentation. Reste accroché à mes baloches. Pas sur ce mouvement-là. Parce que je te dis, celui-là, tu vas t'étouffer avec ta graisse. Mais pour le reste. Ok, champion? Et c'est pas méchant. Je suis juste réaliste. C'est juste que je te dis tout haut ce que les gens ne te diront pas tout bas. Tout simplement. Mais je t'aime bien, hein, gras du bide. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais tant que tu resteras dans une dynamique où tu nourris gras du bide, on sera pas copains, champion. Moi, je veux des vaillants, ok? Et un vaillant, ça sort des doigts du cul. Donc, si t'es gras du bide et t'as un minimum de souplesse, rejoins-moi sur mon tapis, champion, ok? Là, tu deviens intéressant. Mais si t'es là à critiquer, à bouffer de la merde et à nourrir ce gras du bide, eh ben, je resterai méchant avec toi. Mais c'est pour ta santé, champion. Parce que le jour où le médecin, il va te dire, oh, obésité morbide, tu penseras à moi, le petit fou avec sa casquette rouge qui saute dans tous les sens, champion. Comprends qui peut, c'est toujours la même chose. Next move. Assis, mouvement, technique, respiration, du sale. Télétransportation. Ensemble. Saisis l'orteil. En roue. Reviens sous terre. Alors là c'est du sale mon gars. Tu dois serrer ton ventre, tendre tes jambes. Sois dur comme une putain de barre de fer et souple en même temps. Vente de gorge, champion.
rien de compliqué. Mouvement, technique, respiration. Ensemble. Allons, mouvement, technique, soulève. Écarte. Reviens, c'est. Compliqué, champion. Allez, va chercher ta souplesse. Lâche-toi, ok? Travaille ta souplesse et tu feras plaisir à Bobonne à la maison, ok, champion? Moins un coup pour la peine. Et veille, néné. Et ouais. Un petit mouvement à la con, rien de compliqué, mais des fois, il y en a, ils peuvent se sentir perdus, champion. Alors que c'est la base. C'est la base. Ok, champion. Next move. Allongé sur le dos, poing fermé, bras tendu vers le ciel, genoux au-dessus des hanches, tends un bras, poing fermé, reviens, même côté, jeune plus la paix, jeune spatial, gauche puis droite, transition au milieu avec les deux bras, poing fermé, bras tendu, rajoute, balancier après les deux bras tendus, abdominaux du sol. Here we go! Tire comme une pique de barre de fer! 3, 2, 1. Jeune spartiate, même chose de l'autre côté.
pardon, là, je croyais vous avoir perdu l'équipe. On est reparti. Continue, cette fois-ci, gauche puis droite. Gauche puis droite. 3, 2, 1. Ok, on continue. Pas fini. Cette fois-ci, les deux en même temps. C'est fini. One. Pas fini l'équipe. Rajoute. Three, balancier. Two, ce qui est. Compliqué, champion. On va finir sur ça, abdos. T'as vu, en ce moment, c'est cadeau, hein, franchement. C'est à peine si je transpire, champion. On peut pas faire plus simple, équipe. Hein. Next move. Ah, c'est tranquille. Abdominaux. Ok, avec Rocky Balboa. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 1. Change de jambe. Allez. 3, 2, 1. Alter. Round 2. Encore.
Et tu alternes gauche-droite. Même chose, abdominaux, serre ton ventre. Tends la jambe, commence. Jambes tendues, tape, transition milieu, ce qui donne. Commence à bouquer, ça va. Continue. Même chose. Change de côté. Okay, stretching. Donc comme j'ai dit là, en ce moment je suis blessé l'équipe, ok? Je suis blessé, ces derniers temps on avait augmenté trop le level, j'en suis conscient là, parce qu'on avait perdu énormément de gens pour la piste, gratteur de shot, et on en a besoin l'équipe, on en a besoin pour que notre armée s'agrandisse. Et puis pour vous aussi, arrêtez de gratter les shots, c'est important de passer le flambeau. Donc, en ce moment, je le prends cool. T'as vu, c'est des séances cadeaux. Je peux pas faire plus simple, champion. Franchement, là, c'est séance basique. Ce que tu trouveras de la basique fit mes couilles en ski, ok? Rien de compliqué, la base. Mais il faut maîtriser la base. Si tu veux avoir des bonnes fondations pour te construire un physique athlétique, ne brûle pas les étapes. Donc là, pendant 2-3 semaines, on va faire des petites séances comme ça. Pas trop de violence, par contre. Dès février, l'équipe. On va retourner dans le game, dans le vrai, dans le dur, dans le sale et le propre technique à la fois pour préparer le training compliqué. Je veux ma photo des 300 spartiates. Tous affûtés à la hache de guerre. Ok, champion? Bon coup pour la peine. Stretching. Oui, ça reste efficace. Cela dit, je fais pas des trucs qui servent à rien. Ça, c'est clair. Next move. Makes me wanna love you. Whoa, whoa, whoa.
Intelligemment, ok champion. Ah! Jarras, not far away,